Pédagogie par objectif. 70 directeurs d'école en formation. Les établissements scolaires privés sont classés dans la catégorie des petites entreprises. En cette vertu, les dirigeants de ces établissements devraient assumer leurs fonctions en toute connaissance des règles et lois en vigueur qui régissent les petites entreprises, afin qu'ils puissent exercer, justement, dans les règles de l'art. C'est dans cette perspective que les directeurs d'écoles privées sont invités à un atelier de formation sur l'amélioration et le renforcement de leurs capacités. Cet atelier de 3 jours est ouvert ce matin dans les locaux de l'ADNEPM de Bécharéti. Cet atelier de formation, initié par la CNAPS, devra aider les directeurs d'école, en leur qualité de chef de petite entreprise, à s'imprégner non seulement de leurs responsabilités au sein de leur établissement, mais également et surtout de leurs droits sociaux et de la couverture sociale, afin qu'ils puissent bénéficier des allocations et pensions de retraite, entre autres. Ainsi, cette formation centralisée de 3 jours devra s'articuler notamment autour des questions de fiscalité, impôts et sécurité sociale, telles que l'a expliqué le premier intervenant, Marco Angemanal, chef de service des pensions auprès de la CNAPS. Quelques 70 directeurs d'école affiliés aux directions nationales de l'enseignement privé de Madagascar, de tout le pays, participent à cet atelier, a fait savoir Wangnirina Lal Rasamson de l'ADNEPM de Tomasne. En marge de cet atelier, dédié aux directeurs d'école, 125 enseignants bénéficient également d'une formation sur les nouvelles techniques d'enseignement baptisées Pédagogie par objectif ou PPO.